Bonjour à tous les amis, bonjour aussi à tous ceux et celles qui prenaient le temps de visualiser cette vidéo aujourd'hui. Je suis Salvatore Indon, coach et thérapeute en soins énergétiques à l'Espace Arc-en-Ciel ici en Belgique. Et voilà, tout d'abord, je voulais tout simplement prendre le temps de vous faire profiter de cette énergie dans laquelle je me trouve actuellement. Regardez un peu comme c'est merveilleux. Un beau ciel bleu, une journée ensoleillée, et vous partagez cette belle énergie dans laquelle je me trouve ici à la campagne. Voilà. Et aussi vous dire merci pour tous les partages et les commentaires que vous m'avez adressés suite à la première vidéo que je vous ai partagée il y a quelques jours sur l'importance de la vibration des mots. Beaucoup d'entre vous ont ressenti justement que ce message rentrait en résonance avec vous, et un tout grand merci parce que cela a bien suivi et voilà, ça fait son chemin finalement, hein. Voilà, aujourd'hui je voulais prendre encore quelques minutes pour vous partager quel est mon sentiment par rapport à des processus auxquels je me sens confronté actuellement autour de moi, des choses que j'observe au niveau énergétique, au niveau psychologique. Et voilà, je voulais vous les partager avec, en toute simplicité. Un premier processus que je remarque, c'est celui du sentiment de culpabilité. Beaucoup d'entre vous, vous allez me dire, sentiment de culpabilité, c'est quoi cette affaire-là? Eh bien, les médias nous montrent aujourd'hui quand même beaucoup de souffrance autour de nous. Des personnes qui sont entre la vie et la mort, d'autres personnes qui sont confinées dans des centres hospitaliers, d'autres encore ne peuvent plus recevoir les membres de leur famille. Je pense là aussi aux personnes âgées, à vos papas, à vos mamans qui ne peuvent plus recevoir vos visites. Et voilà, on est dans une situation qui est extrêmement complexe, extrêmement, je dirais, qui n'est pas facile du tout à traverser. Nous n'avons pas ces programmes intérieurs au niveau de notre cerveau pour savoir de quelle manière réagir et interagir. C'est nouveau, c'est trop nouveau. Alors, sentiment de culpabilité, oui, parce qu'il y a un processus psychologique que je nous rappelle, qui est celui que le sentiment de culpabilité va à un moment donné nous placer dans un mouvement intérieur de nous niveler aux autres. Avez-vous quelqu'un autour de vous qui vit une situation qui n'est pas facile, qui est peut-être malade? Eh bien, consciemment ou inconsciemment, vous allez avoir tendance à vous niveler à ce que cette personne vit, parce que inconsciemment, je ne peux pas être mieux que l'autre. Inconsciemment, je ne peux pas être heureux. Inconsciemment, je ne peux pas être bien, puisque l'autre ne l'est pas. Alors, par rapport à ce processus de culpabilité, il y a justement une réaction qui peut se manifester, qui est celle de s'attirer à soi, eh bien, du négatif. Le sentiment de culpabilité a cette possibilité-là inconsciente, c'est de nous plonger dans des événements, des situations qui pourrait nous faire sentir aussi mal, qui pourrait aussi nous faire sentir jusqu'à quel point nous ne pourrons pas nous autoriser à être en forme, à être bien, etc. Alors, si vous avez capté que ce sentiment est venu vous rattraper, eh bien, je vous invite à en prendre conscience, parce que je me rends bien compte d'une chose, c'est que si je suis mal, si moi-même je ne suis pas bien, comment est-ce que je peux aider l'autre? Quelle énergie est-ce que je peux lui transmettre pour l'aider à traverser, pour l'aider à aller mieux? Justement, par rapport à ça, eh bien, il y a une clé. Et cette clé psychologique, c'est soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude par rapport à qui vous êtes, vous, aujourd'hui. Si vous avez une bonne santé, si les affaires vont bien, si vous vous êtes réveillé en forme, si votre famille va bien,
remercier. Soyez dans la gratitude. Exprimez un sentiment de gratitude, si même vous n'êtes pas croyant, tout simplement envers la vie. Ce sentiment de gratitude va vous remplir d'une belle énergie et c'est grâce à elle que vous pourrez mieux aider ceux et celles qui vous entourent. Il y avait justement dans un film que je me suis rappelé ce matin, dans ce film, donc c'est le titre Benjamin Button. Peut-être que vous vous rappelez de ce film. Il y a une scène à un moment donné où le petit Benjamin est juste au bord du lit avec sa mère et elle lui dit avant de s'endormir, « Maman, est-ce que je vais encore vivre longtemps ?» Et la mère, en le regardant avec beaucoup d'amour, lui dit, « Mon fils, si au lieu de t'attarder pour savoir si tu vas encore vivre longtemps ou pas, si au lieu de penser à ça, tu remerciais Dieu pour la vie que tu as déjà eue jusque maintenant. » Et la réponse était là. Ça simplifie beaucoup de choses. Cette histoire simplifie beaucoup de choses par rapport à la gratitude. J'aime beaucoup cette histoire et je voulais vous la partager. Alors oui, au lieu de nous attarder sur les choses que nous ne connaissons pas encore, il serait certainement temps de vérifier les choses qui fonctionnent et les choses qui peuvent nous aider à nous remplir pour mieux après aller remplir les autres. Un deuxième processus que je constate aussi autour de moi est celui que certaines personnes veulent aider d'autres. Et c'est super de pouvoir le faire parce que tout acte de générosité, tout acte d'amour que je vais mettre au service des autres restera jamais sur son étagère. Il me reviendra un jour ou l'autre parce que c'est un fonctionnement de l'univers. Tout ce que nous donnons aux autres nous revient un jour ou l'autre. Alors, tout acte et tout geste de partage, toute envie d'aider les autres, eh bien, je pense que c'est très positif. Sauf que la plupart d'entre nous, nous nous sentons maintenant actuellement dans un autre sentiment extrêmement puissant qui est un sentiment d'impuissance. Un sentiment d'impuissance à vouloir aider les autres. À pouvoir plutôt aider les autres, leur apporter l'aide psychologique, l'aide médicale. Par rapport à ça, j'aurais juste envie de vous dire quelque chose que j'ai dit un jour à quelqu'un pour l'aider dans la même direction. Je lui dis à cette personne qui voulait aider justement sa sœur qui était dans un centre hospitalier, « Est-ce que tu as fait des études de médecine ?» Elle me dit « Non. » « Est-ce que tu as fait des études en psychologie ?» Elle me dit « Non. » « Est-ce que tu as fait des études thérapeutiques ?» Elle me dit non. Alors, si tu peux juste accepter que l'aide que tu peux apporter à ta sœur, c'est l'aide qui vient de ton cœur et pas une aide imaginaire, celle que ce sentiment d'impuissance vient chercher en toi. Et alors, elle était toute surprise parce que d'une certaine manière, elle pouvait lâcher prise sur ce besoin absolu de vouloir aider l'autre avec des compétences qu'elle n'avait pas. Alors, nous aussi, avons-nous des compétences ou peut-être pas? Et si chacun, là où il se trouve, pourrait utiliser son don à soi pour aider l'autre à la juste hauteur, je pense que c'est ça, finalement, qui pourra vraiment être intéressant. Aider l'autre en fonction du don que je peux partager avec l'autre. Quel est ton don à toi? Si c'est celui de faire une vidéo, parce que c'est ta facilité, fais-le. Si c'est celui de préparer une soupe pour d'autres personnes, fais-le. Si c'est celui de prendre le téléphone 10 fois par jour pour encourager quelqu'un, parce que tu as une facilité à encourager les autres, à les soutenir dans leurs épreuves, fais-le. Eh bien, ça, je trouve que c'est 1000 fois plus positif et 1000 fois plus ajusté que de vouloir absolument faire quelque chose pour d'autres si nous n'avons pas les compétences.
Alors par rapport à ça, merci en tout cas à tous ceux et celles qui dans le monde médical aujourd'hui, mais aussi à tous ceux et celles qui sont mobilisés pour nous aider à traverser ce que nous vivons actuellement. C'est vraiment de votre part des gestes remplis d'amour, des gestes remplis de compassion qui viennent me rejoindre et je veux vraiment vous en dire merci, merci du fond du cœur. Voilà, c'était donc deux choses super importantes que je voulais souligner, le sentiment de culpabilité et le sentiment d'impuissance que nous pourrions ressentir dans ces moments-ci. Et si, voilà, s'ils arrivent, si vous sentez qu'ils sont là, j'espère que vous allez pouvoir vous mettre en marche pour y remédier, parce que la meilleure manière de pouvoir aider les autres, c'est d'être bien soi-même. Alors, je prends soin de moi. Prenez aussi soin de vous. Remplissez-vous de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Remplissez votre cœur des meilleurs souhaits pour les autres. Et ensuite, lorsque vous êtes avec les autres, eh bien, rayonnez de cette énergie. Rayonnez de cet amour. Ce sera la meilleure façon à vous de pouvoir communiquer qui vous êtes de l'intérieur et non pas quelque chose que vous voudriez être mentalement. Voilà, j'espère que cette vidéo aura aussi l'occasion d'être partagée. Si vous sentez que c'est juste pour vous, partagez-la autour de vous, à ceux et celles qui font partie de votre entourage. Et voilà, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour ceux qui vous entourent. Je vous prends vraiment dans mes bras, dans les bras de mon cœur. Et je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir.